Emmanuel est à Ajaccio, par exemple, en Corse du Sud. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes logisticien, Emmanuel, ouais. Et vous avez souligné encore une fois le comportement parfois irréfléchi, déraisonnable. Ah, mais j'ai un énorme coup de colère, parce que là, ça fait 2 jours que je me déplace, donc encore dans le cadre de mon boulot, pour à peu près 1 semaine encore. Après, oui. je vais me confiner aussi. Je vois des gens mais en train de se balader avec femmes, enfants, même des personnes d'un certain âge sur une plage du Ricante qui est sur la route de l'aéroport. C'est juste voilà, vous avez une place, la place Mio où normalement vous avez normalement d'enfants en temps normal. Pareil, là en fait les gens n'ont pas pris conscience qu'en faisant ça. Forcément ils vont contaminer. Ah, s'il y en a un qui est infecté, t'es foutu, hein. Oui, mais sachant le nombre de personnes, on va dire d'un certain âge que nous avons en Corse, nos anciens, c'est de l'inconscience. Vous avez des gens qui pareil sont comment dire, vraiment. J'ai l'impression que les gens pètent les plombs même dans les magasins à se disputer, à se jeter sur la nourriture et à monter au village, contaminer des anciens qui sont dans les villages aussi. Au lieu j'ai du mal à comprendre. De rester à la maison, de rester chez soi, j'ai du mal à comprendre parce que en Corse on a toujours été dans le respect, on va dire de nos anciens, dans le respect des choses. Bien sûr. Et j'ai l'impression que là on a perdu nos valeurs là. Je sais pas si c'est le coronavirus qui fait péter les plombs aux gens, mais je comprends pas. J'ai vu des gens presque en arrivant aux mains. C'est révélateur cette crise, hein. C'est révélateur de l'état de notre société aussi, Emmanuel. Moi sincèrement, j'ai fait un petit comparatif à regarder. J'ai des amis qui sont sur Bastia. J'ai l'impression que bon, tout le monde ne respecte pas forcément les choses. Mais à Bastia, on a juste à prendre les chiffres. Hier, plus 7 contaminés donc en Corse du Sud, moi à Ajaccio, et 0 contaminé à Bastia. Voilà, ça veut tout dire pour moi. Voilà. Comportement.